Salut, c'est Metalblaze. On est sur le quatrième épisode de Limbo aujourd'hui, et il s'agira du dernier épisode, car le jeu est assez court. Ok. Oh. Je suis un bug sonore, je sais pas si vous l'avez entendu. Non, non, la caisse revient. On va attendre encore après, je crois. Ouais, voilà. Hop là. Mais que se passe-t-il ? Ouais, on avait cette nouvelle mécanique justement où on est toujours dans une espèce d'usine en fait. Bah là c'est plus une série pour le coup avec les scies circulaires. Et on est très très proche de la fin du jeu. Ah. Ouais. Ouais, parce qu'une fois qu'on est là, ou alors faut vraiment aller plus vite que ce que je pense. Ah ça marche. Oh, c'est quelqu'un qui va... Oh non, non non, mais non. Bah non du coup. Alors ça c'est un espèce de verre qui prend en contrôle d'autres personnages. Disons qu'en fait on peut le ralentir. Mais par contre faut, il va forcément dans la direction que le verre lui donne. Et là ça le brûle. Ah. Mais j'avais pas de tout souvenir de cet endroit. Il y a un timing à avoir probablement. Ouais. Qu'on va essayer d'avoir. C'est parti. Oh. Ouais si on y arrive. Ok. Et là du coup on reprend totalement contrôle de notre personnage. On va éviter d'aller là. Parce que là à mon avis on va se faire écraser. Est-ce que c'était une bonne idée de tirer ce levier? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ça change le sens des engrenages. Ouais, attendez, je crois que je l'ai. J'ai complètement. Voilà. Ça marche. On va avoir la goutte au nez. Je l'ai. Plutôt qu'avoir la cac. La cac. Parce que vous savez c'est quoi la cac dans le chat? Il y a quelqu'un qui a follow. Super. Mais j'ai pas les alertes, désolé du coup. Parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé le stream et du coup j'ai pas encore activé les alertes. Je vais me faire blaster par l'électricité là. Ouais. Ça y est! Oh! Alors, je sais pas si c'est perceptible sur le stream, c'est effet sous laser. Et bien évidemment, qui dit pied sous laser ou même corde en fait. Dans le piège! Mais pour la science, je vais quand même le montrer quoi. Ah oui, d'accord! C'est pas juste des simples lasers, c'est des mitrailleuses. Action, réaction! Ah, elle revient! Voilà. Donc maintenant il y a des mitrailleuses. On doit se servir de l'arrière-plan pour jouer. What the... Qu'est-ce que c'est que cette mécanique? Est-ce que notre perso peut sauter? J'en ai pas l'impression. Super, donc maintenant on a un truc d'antigravité. Reviens. Trop bien. Donc ouais, là on avait une échelle tout à l'heure, ouais. Si c'était pour la faire descendre. Quelque chose me dit que c'est pas terminé avec l'antigravité. Dans cette zone là en tout cas. Ouais non. Je pensais qu'on pouvait le pousser comme tout à l'heure. Profiter de ça pour gagner un peu de temps. Voilà. Bon, alors, jusque là... Eh, attendez, je crois que j'ai compris. J'ai capté. Oh, oh, oh non, pas le retour de l'ascenseur. J'ai saisi ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est parfait. Ah oui. Ah bah oui. Forcément, l'autre, elle nous voit. Ah. Mais qu'est-ce que... Mais c'est quoi ce bordel? Ah, l'antigravité, c'est Gravity Guy quoi, le truc. Ça me fait penser à Jetpack Joyride, la référence elle est peut-être un peu obscure. Ah, pour jouer avec ça. Oh. Oh. Oh 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 oh. Allez. Rire inversion la gravité. Le bon. Normalement, notre caisse, ça doit être là-bas maintenant. Ouais. C'est parfait. Ouais, j'ai capté ce qu'il fallait faire, mais faut avoir un timing de bâtard.
Ah. J'ai complètement. Bah, le truc c'est que là, on a encore de l'antigravité. C'est quoi ce câble? C'est une tyrolienne? Ah! Ça veut dire qu'est-ce que c'est ce bruit? Crap. Nada, reviens! Il va super vite. Bon, attends. On attend que ça remonte à Mach 8 là. Vraiment, parce qu'il y a vraiment un monstre ralenti. Ouais. Oh, oh bon sang. Ah non, je me suis fait en plaid. Ah mais j'aime bien mettre des aides à chaque fois que j'ai une action qui se passe. Ok. Que genre là on saute, là on a de la vitesse. Et genre là on peut l'avoir. Je pense que là comme ça je peux l'avoir. Metal, j'ai capté. C'est pas la corde du bas qu'il faut choper, c'est une corde plus haut. Et puis on voit qu'ensuite la corde est plus fine quand tu descends. Tu vois là, il y a un panneau. Il faut que t'actives ce panneau. La pesanteur en fait va te coller sur le level. Oh putain, j'avais jamais vu. Voilà. Attends, je vais quand même voir ce qui se passe en bas. Au revoir, Yves, à tout à l'heure. Maintenant, je redescends, j'active le truc. Está complicado. Et voilà. Ah merde. Il y en a encore. Il y a un timing à voir. J'ai le chat dans ma chambre. Elle est sur mon lit. Bibi. Le chat. Non, tu veux sortir, mais t'abuses. Je pensais que tu voulais venir voir ce que je fais. Non, mais viens. Viens, attends, viens. Viens voir. Oui. Tu vas sur mon lit finalement. Viens pour voir ce que tu veux. Il est adorable ce chat. Ah. Oh shoot. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on est passé. Ouais. Oh putain. Le jeu qui bug. Tout bien. Oh, il y a un inverseur de gravité qui va me mettre dans la roue. Enfin, dans la scie. Ouais, d'accord, je suis là, d'accord. Ah, oh, oh carrément. Il y en a trop haut, là. Trop haut. Ouais, vas-y, du coup, tu peux me dire. Alors, en plus, là, grâce à ta dernière action, ça vient de confirmer ce que je pensais. Tu vas pas l'activer pendant que t'es en train de monter, mais pendant que t'es en train de redescendre. Ah, c'est pendant que je redescends. Oh, what? C'est ça. C'est ça. Mais pourquoi on est ralenti? Eh, mais attends, ça me rappelle un truc, ce qui se passe dans le jeu. Ça me rappelle le tout début du jeu. Tu crois vraiment que c'est la fin? Attends. Tu vois, il se passe des trucs. Sérieux. Générique. Et bah, du coup, il se passe quoi avec cette fille? C'est sa copine? C'est sa mère? C'est sa sœur? Ah, j'ai passé le générique. Merci les développeurs. C'était la dernière salle, c'est ça. Et ben on a terminé le jeu. En vrai le jeu était cool, j'ai un peu buté sur pas grand chose. Et en vrai, il y a une ambiance qui se dégage de jeu. Non, en fait il y a une ambiance un peu mystérieuse. Du fait déjà que le jeu soit en noir et blanc, on sait pas trop ce qui se passe. On a un peu de mal à discerner le scénario, il n'y a pas vraiment. Mais on voit quand même ce qui se passe, genre les légendes dans la forêt, les macchabées. J'ai pas compris, parce que bah même sur l'image du jeu, au début il y a une grosse araignée. Mais au final l'araignée n'est qu'un élément de gameplay en fait. Elle est juste là bon, en mode pour te mettre des petits coups de pression. Au début je pensais que Limbo c'était un petit peu comme aujourd'hui Little Nightmare. Il y a des mecs qui vont venir vous grabe, venir vous bouffer, venir vous attaquer. Je pensais pas que c'était un jeu qui utilisait beaucoup de mécaniques. En fait, c'est un jeu plus énigme que de plateforme. Ça sentit charme en vrai, c'était super sympa. Je pense que je reparlerai. Je prévois de faire une petite vidéo là-dessus. J'en dis pas plus. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas du coup à donner votre avis dans l'espace commentaire. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve très bientôt. Allez, salut!